Je m'en croûte. J'ai donc trouvé une solution. Remplacer ça par ça. Un putain de tapis roulant. Évidemment, je ne l'ai pas encore essayé. Je vous attendais pour l'inaugurer. Salut tout le monde, c'est Maureen. Alors ce tapis, pourquoi? De toute évidence, je m'en croûte un petit peu, voilà. M'étant lancée dans le merveilleux travail de créatrice de contenu, je suis 90% du temps assise derrière un ordinateur. Et mon corps, mon mental et ma motivation commencent à prendre un coup. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de m'acheter un tapis. Cette vidéo vous sera peut-être utile si, dans votre quotidien également, vous êtes très souvent assis et que vous aimeriez intégrer une activité physique en travaillant. C'était ce que je cherchais. Je vais pouvoir te faire une petite revue du produit et nous allons faire une coiffure en cours. C'est le premier prix d'internet. Il est à 199,99€. C'est un petit gros prix quand même. Voilà. Donc autant que je te fasse la revue, si jamais ça couaque. Il est dispo dans plein d'endroits différents. J'ai choisi de le prendre sur Amazon pour avoir un petit lien d'affiliation, si ça t'intéresse, pour me rémunérer à tout petite échelle. Si ça te dit, tu passeras par mon lien. La bonne surprise quand tu ouvres ce carton, vu que c'est un premier prix, tu as quand même une notice en anglais. Google Translate est ton meilleur ami. Une huile pour huiler ta bande et qu'elle coulisse bien comme il faut de partout. Une clé de serrage pour équilibrer ta bande et qu'elle ne s'abîme pas sur les côtés. Et une télécommande pour alimenter le produit. Alors évidemment, je n'ai jamais marché sur un tapis roulant et je ne sais pas non plus courir. Je suis quelqu'un qui tape vachement des pieds et qui est hyper maladroite, donc ça risque d'être un petit peu gaulerie. Ça y est, c'est parti. Je monte sur le tapis. M, ça veut dire quoi M? Ah, ok. Ça me dit les kilomètres, les calories et le temps. Très bien. Allons-y. Je mets la première vitesse. Il y a un compte à rebours. Ouh. Ça y est, c'est parti. Je marche. Bon, 1, c'est peut-être trop lent. Vitesse 2. 1,5. On peut faire de 1,5 point par 1,5 point. C'est bien ça. Donc en tout, tu dois avoir 20 modes. Donc là, je suis à 2. Alors, je sais pas si vous entendez. C'est un chouïa bruyant. Donc imaginons, je suis sur l'ordi, c'est pas mal. Ok, j'attaque à être à l'aise. 3. Hey hey. Je suis à 4. À 4 déjà, tu marches bien quoi. Oula. Est-ce que je peux remonter? Vitesse 5. Bon, ça va être chaud. C'est bon, je suis dessus. Ok, 6. Je sens déjà que ça me fait du bien. J'ai pas marché. Là je suis à 8. À 8 tu cours un peu. 9. Je dois pas être hyper élégante hein. Putain mais je vais tomber. Allez, dernier niveau. C'est pas mal hein. Donc pour une utilisation de 15 minutes là avec vous, c'est plutôt pas mal. C'est désigné comme étant un tapis de marche pour la bureautique, donc pour travailler à ton bureau, pas forcément un tapis dédié pour la course. Pour une coureuse du dimanche comme moi, c'est amplement suffisant. Je suis pas sûre d'activer le mode course très régulièrement d'ailleurs. Je suis très satisfaite pour l'instant. J'avais lu des avis sur les bips aussi, comme quoi ils étaient très forts et très assourdissants et très chiants. Mais bon, je pense que c'était des commentaires de haters, parce que franchement ça va. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai monté donc mes deux écrans, mon clavier et ma souris, parce que j'ai pas encore les moyens de m'offrir le bureau qui monte, et puis je pense qu'on peut largement faire sans. Déjà pour l'instant, le premier investissement c'était le tapis, pour le reste on verra plus tard, l'agencement, l'ergonomie de mon métier. Si surtout j'arrive à en vivre un jour. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, que j'étais pas loin d'être à l'aise, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coiffure, donc sur ce tapis. Ce qui est ressorti le plus, c'est le chignon avec des torsades. Donc, allons-y.
Alors, j'ai prévu un pic à chignon au cas où, parce que le pic à chignon, je pense que je peux réussir à l'utiliser dans n'importe quelle circonstance. Je le glisse dans ma poche. Je suis à 3-5 là. Je fais quoi? Je monte un peu? Allez. Donc je me suis mis à 5, comme ça c'est la moitié. Allons-y. Tout d'abord, on va se peigner les cheveux. Ok. Tu t'es démêlé les cheveux. C'est super. Donc, je vais vous montrer comment faire mon chignon fétiche. Tu vas d'abord te faire une première couette sur le haut de ta tête. Je sais pas comment je vais faire pour te montrer l'arrière. Petit pas chassé. Voilà, comme ça. Voilà. Et cette couette-là, tu la mets de côté. Ensuite, tu vas venir faire une couette basse avec tous tes autres cheveux. Attention, pas chasser. Ici. Ok? Allez, on déhanche. Tu te déboîtes les hanches, ok? Oh putain. Tu vas venir passer ta couette par-dessus, à l'intérieur, et la remonter jusqu'en haut. Alors, pour vous montrer, je vais baisser le rythme et je vais essayer de faire de la marche arrière. Ok? Je me retourne. Oh, c'est dur. Comme ça, ça va. Trop doué, vous avez vu? Un peu? Creuse ta couette, tu passes ta mèche par-dessus à l'intérieur, comme ceci. Et là, tu tires ta couette. Je suis en train de m'éloigner de vous, là, non? Jusqu'en haut. Et quand t'arrives en haut, t'attaches le tout. Donc c'est un petit peu élastique au bord comme coiffure, mais... Hein? Tu peux laisser comme ça. Juste parce que visuellement, c'est plutôt cool quand tu cours. D'avoir ta queue de cheval qui va de droite à gauche. Je sais vraiment pas courir, hein. Bon, je me remets à 3 pour finir. Ensuite, tu prends ta queue de cheval, tu la partages en deux. Et maintenant, tu tournes tes deux mèches dans le même sens. Donc moi, je vais les tourner vers l'arrière, les deux. Et ensuite, on les torsade ensemble, mais dans le sens inverse. Et ça va te créer une torsade comme ça. Voilà. Là, tu viens tirer un peu dessus pour l'épaissir un maximum. Que ce soit un beau chignon matubu, comme ceci. Et tu viens créer ton chignon. Tu prends ton plus beau chouchou et t'attaches le tout. Et voilà, un petit chignon sympatoche pour faire ta petite marche rapide dans ton salon. Je me rends compte que je marche super droit et puis tout à coup j'ai mon haut du corps qui... Hein, ça vous rappellerait pas quelqu'un? Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à vie à faire une jolie coiffure pour courir devant leur bureau, je vous montre comment s'attacher les cheveux avec un pic à chignon, donc avec un de vos stylos, hein, en face de vous. C'est vrai qu'il vaut mieux quand même s'attacher les cheveux quand tu fais ce genre d'exercice. Parce que je poisse, littéralement. Alors, attention, je vais me retourner pour te montrer. T'as chassé, retournage. Prends tes cheveux, tu fais un tourbillon avec, comme un escargot. Tu vas bien tout au bout, tu vas venir piquer, ensuite tu vas vers le bas et tu le refais ressortir dans le boudin du bas. Et voilà, attention, retournement spectaculaire. Et voilà, comment te coiffer sur un tapis roulant. Allez, rien que pour vous, je le tente en courant. Je pense avoir les capacités de le faire. Donc déjà, on va allumer la bête. Parce que là, on était à 1,5. Ça va être chaud. Détache. Je vois qui. Oh, purée. Ça va. Ok, j'y suis presque. Je vais crever. Oh putain. Bon bah mes amis, je suis extrêmement satisfaite de ce produit. Évidemment, s'il s'abîme trop vite, si je vois qu'il y a une défaillance quelque part, parce que c'est pas en utilisant un produit une demi-heure qu'on voit si c'est un top produit ou pas. Mais première utilisation, nickel, je suis ravie. Je vous invite à prendre soin de vous, même chez vous. Il y a des outils qu'on peut mettre en place pour se sentir bien chez soi, même si on travaille au quotidiennement devant un ordinateur. Donc maintenant, faites-vous des coiffures de fou. Prenez soin de vous et à dimanche.